Ashan is a world of legendary peoples. The elves guard the forests of Irulan. Knights rule the Griffin Empire. Wizards survey the deserts of the Silver Cities. And necromancers control the wastelands of Heresh. But there is another parallel world. It is Sheog, the prison world of the demons. During certain lunar eclipses, known as blood moons, the walls of their prison weaken, and they burst forth, plunging Ashan into war. During the last demon war, a powerful artifact was created. Called the Blade of Binding, it allowed its wielder to bind demons to his will. When it fell into the hands of a demon lord, it nearly turned the tide of the war in their favor. After the demons were vanquished, the blade was given to a handful of allies for safekeeping. These families of elven, human, and wizardly descent swore to guard it. But those who covet its power still dream of obtaining it. Coucou tout le monde, c'est MyDreamsHD, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et donc on se retrouve pour l'épisode 1 de ma nouvelle série sur le jeu Might and Magic Clash of Heroes. Donc vous avez pu voir la première cinématique du jeu qui explique les différentes factions qui règnent sur le monde d'Ashan. Et donc nous commençons l'histoire. Avant de vous lire un petit peu, avant de continuer un petit peu l'histoire, je vais vous parler un petit peu de ce jeu qui est sorti le 13 avril 2011 sur PS3 et Xbox. Il est sorti le 14 janvier 2010 sur Nintendo DS et le 22 septembre 2011 sur PC en online. Donc comme vous avez pu le voir vis-à-vis de ces dates, il est sorti en premier sur Nintendo DS et vu le succès qu'il a eu, ils ont décidé de le mettre sur les consoles HD avec des graphismes retravaillés. Et donc, comme vous pouvez le voir, c'est quand même assez joli. Moi, je le trouve vraiment magnifique. Niveau graphisme, vous le verrez tout au long du jeu. J'aime bien ces petits graphismes tout mignons, tout colorés. Un petit peu cartoon. J'aime beaucoup, sérieusement. C'est vraiment très joli. Vous allez vous en apercevoir. Sinon, il est disponible sur le PlayStation Store à 14,99€ et également sur le Xbox Live Arcade, mais je ne sais pas combien il coûte vu que ça marche par les points. Enfin, je ne sais pas trop comment ça fonctionne sur Xbox. Quoi vous dire d'autre? Donc, comme je vous l'avais dit lors de ma dernière vidéo pour vous parler un petit peu de ce nouveau Walkthrough, il y a 5 campagnes, donc environ 30 heures de jeu. Je ne sais pas encore si je vais faire les 5 campagnes parce que c'est vrai que ça va me faire quand même beaucoup de travail. Je vais déjà faire la première, je vais voir le succès qui est là et puis si elle a un bon succès, je continuerai vraiment à faire les autres campagnes en votre compagnie. Donc moi j'ai déjà fait toutes les campagnes sur un autre compte. Mais ça fait longtemps, j'ai fait ça quand il est sorti, donc je m'en rappelle plus très très bien. Donc je vais le redécouvrir avec vous. Je vous parlerai un petit peu de tout ce que ce jeu comporte au fur et à mesure qu'on avancera. Sinon, j'espère que vous allez bien, puis j'espère que cette nouvelle série vous enchantera, et puis que ça vous plaira. Par contre, il y a un truc que j'hésite, et d'ailleurs je vous demande votre avis. Est-ce que je vous lis les sous-titres, entre guillemets? Parce que bon, c'est un jeu où il ne parle pas, il n'y a que des bruitages et de la musique. Mais comment dire, du coup, c'est que sous-titré, mais je ne sais pas si je vous les lis. Bon, pour le premier épisode, je vais vous les lire. Mais surtout, donnez-moi votre avis si je continue à vous les lire ou pas. Donc voilà, nous allons commencer. Alors, vous êtes prêts, bien installés, avec...
avec le soda, les pop-corn. Non, je rigole. J'espère que je ne vais pas vous endormir à vous lire ma petite histoire. Non, allez. Je les entends, père, des pas lourds, et il doit certainement s'agir de nos invités de l'Empire du Griffon. Ton ouïe est devenue plus fine que la mienne, Anwen. Edric, mon vieil ami, quel plaisir de vous revoir en Irolan. La sire, tout le plaisir est pour moi. Vos forêts semblent embellir avec l'âge, contrairement à moi. Mais ça ne peut être la petite Anwen. Que lui avez-vous donc donné à manger? Je suis la chasseuse de la famille désormais, seigneur Edric. C'est moi qui le nourris. Ce jeune et vaillant chevalier doit être votre fils, Godric. C'est un plaisir de vous rencontrer nos alliés elfes. Laissez-moi vous présenter ma sœur Fiona et mon frère Aidan. L'Irolan est incroyable, le mystère et la magie semblent se cacher derrière chaque arbre. De grands arbres, de gros insectes, de grosses flaques de bouffe, de gros tracas. Anwen, emmène Godric au portail pour accueillir nos amis de Lara et Azraphir afin que leur fille Nadia... vous m'avez compris. Donc là, je vais pas non plus vous lire ça parce que sinon on n'a pas fini. Alors voilà, enfin bon, j'ai pas besoin de vous expliquer les touches directionnelles. Donc, quoi dire de ce jeu? Comme vous pouvez le voir, nous nous déplaçons par des points de passage en fait, et on n'est pas très très libre de nos mouvements, mais bon, c'est pas très très dérangeant du fait qu'on a notre libre arbitre dans plusieurs autres choses à travers le jeu. Donc, quand on a des points d'interrogation, il s'agit de parler à nos interlocuteurs. Le gros truc que j'ai oublié de vous dire en début de partie, mais bon, vous avez certainement dû l'entendre lors de ma dernière vidéo, c'est que c'est un RPG puzzle game. Donc, c'est mon premier RPG puzzle game. Et franchement, j'ai adoré. J'ai vraiment adoré. Une brise d'appréhension semble souffler sur les Rolands ce soir. Arrêtez de vous en faire, elfe. Donc l'Irolan, c'est le monde des elfes, en fait. Suivez ce chemin pour arriver au portail, Anwen. Impossible de le louper. Ça c'est sûr. Mais respect, Anwen, les chasseurs attendent vos ordres. Donc voilà, c'est les elfes m'ont donné ma première unité. Qui sont les chasseurs, donc je vais vous expliquer lorsqu'on fera le premier combat. De toute façon, c'est vrai que c'est beaucoup expliqué au début, donc vous allez comprendre en même temps que moi. Enfin, moi je le connais déjà, mais ça va être super le fait que ça va être plutôt une vidéo tutoriel découverte sur ce nouveau jeu, donc sur cette nouvelle série. Comme ça, vous allez pouvoir exactement savoir à l'avenir les mouvements que je ferai et pourquoi, donc c'est vrai que c'est vraiment pas mal. Mais c'est vrai que la vidéo, pour les gens qui connaissent ce jeu, ça risque d'être un petit peu long, malheureusement. Je vais essayer de vous passer le temps en papotant avec vous. Ne craignez rien, jeune elfe. Nous autres chevaliers vous protégerons des monstres de la forêt. Donc là, je suis avec mon... Non, que je dise pas de bêtises. Je suis avec Godric, il me semble. Oui. Ouais, c'est quand même très joli. Hein. Moi, je les trouve vraiment très jolis, hein, les graphismes. C'est vraiment tout mignon, tout beau, tout féerique. C'est vrai que j'aime beaucoup. Ah, téléportation magique. Salutations, dame Delara. Bienvenue en Irolan. La jeune Anwen, pleine de lumière, votre père clame que vous êtes capable de pister le vent et de planter une flèche dans l'œil d'un oiseau. Et voilà, Godric, le fils d'Edric. Vous avez la force de votre père et l'intensité de votre mère. Puis-je vous présenter ma fille, Nadia? Alors, c'est donc cela, l'Irolan? Les textes et les peintures que j'ai pu étudier ne lui rendent pas justice. Dame Delara, nous pensions que votre mari Azraphir devait vous accompagner. Oui, mère, pourquoi père ne s'est-il pas joint à nous? Menez-nous jusqu'à la délégation, je vous prie. J'expliquerai tout une fois là-bas. Attendez, quelque chose ne va pas. Une perturbation. «
Des démons dans la forêt de l'Hérolan. Je vais m'en servir comme cible d'entraînement. Donc voilà, comme vous avez pu le voir... j'ai pas le temps de parler. Merci de me couper la parole. Ah non, c'est bon. En fait, comme vous avez pu le voir au début, lors de la cinématique, nous sommes dans une... Enfin, tout... Il y a des nuits, on va dire, où je sais pas comment trop vous expliquer. En fait, les murailles du monde de Sheog est abîmé entre guillemets, s'affaiblit, et donc les démons peuvent sortir et donc vont aller mener la vie dure à nos cinq compères que nous allons découvrir au fur et à mesure de la campagne. Donc là, le premier petit combat, donc l'objectif du combat, c'est vaincre l'ennemi, évidemment. Donc je dispose que des chasseurs et lui dispose que des chiens. Donc nous allons le commencer, ça va être plutôt un combat tutoriel. Par contre, c'est vrai que le jeu souffre, vu de son adaptation de la DS à la console HD, il souffre beaucoup de temps de chargement. C'est vrai qu'à la longue, c'est quand même pénible. Mais bon, c'est vrai qu'on s'en passe, enfin, on s'y habitue, quoi. Voici votre première bataille. Le champ de bataille est divisé en deux parties. Donc c'est vrai que aussi ça, c'est beaucoup mieux adapté pour la DS du fait de leur la DS à double écran. Mais c'est vrai que sur un écran de télé, c'est un petit peu moins adapté. Mais bon, moi ça me dérange pas du tout. La partie haute de l'écran accueillera l'armée de l'ennemi, tandis que celle du dessous accueillera la mienne, en fait. En bas de l'écran, vous trouverez vos troupes attendent vos ordres. Le but de la bataille est de toucher la zone ennemie située tout en haut de l'écran de vos attaques. C'est à vous de jouer en premier. Le nombre de mouvements disponibles pour votre tour est indiqué par le compteur de mouvements. Donc il est tout en bas à droite. Commencez la bataille en formant une attaque. Pour cela, alignez trois unités de la même couleur l'une derrière l'autre. Seules les unités situées en queue de colonne peuvent être déplacées. Pour saisir une unité, sélectionnez-la en appuyant sur croix. Donc voilà, enfin tout est expliqué pour les premiers combats. Hein. Donc ils me disent de saisir le personnage vert. Pour lancer une unité, choisissez une colonne et appuyez sur croix. Donc voilà. Une attaque de formée. Très bien, vous avez formé une attaque, mais vous avez aussi utilisé un de vos mouvements. Cette attaque sera lancée dans un tour. Ce temps de chargement est indiqué par le chiffre clignotant sur l'attaque. Donc c'est vrai que j'ai pas grand chose à vous expliquer pour le coup, puisque c'est très bien expliqué et puis que mes loulous ils sont intelligents. Donc vous allez très bien comprendre à mon avis. Formez maintenant une seconde attaque avec les mouvements qui vous restent. C'est maintenant le tour de l'ennemi. Donc lui il est pas trop gâté niveau mouvement, on va dire. Ah non, si, ça va. Il a pu faire ses deux attaques. Bravo, votre première attaque a touché directement la zone ennemie, infligeant ainsi le maximum de dommages. Tandis que la seconde a d'abord été affaiblie par les unités ennemies. La santé de l'ennemi représentée par sa barre de santé HP a diminué. Tout comme pour votre ennemi, si votre barre de santé atteint 0, vous perdez la bataille. Plutôt logique. La santé de votre héros se régénérera automatiquement après chaque combat. Vous devez former une nouvelle attaque pour vaincre votre ennemi. Appelez des renforts en appuyant sur L2 ou R2. Il ne vous reste qu'un seul mouvement, c'est insuffisant pour former une autre attaque. Appuyez sur carré pour mettre fin à votre tour. Voilà, donc encore autour de l'ennemi, il va m'attaquer. Donc il va m'infliger 2 de dégâts et 3 de dégâts. Donc c'est vrai que j'ai plus de points de vie que lui. Vous avez épuisé toute la santé de votre ennemi, vous avez remporté la bataille, félicitations. Chaque bataille remportée vous rapportera des points d'expérience. Ces points d'expérience vous permettront de gagner des niveaux, level et d'augmenter votre force et vos capacités.
Donc en fait, moi j'avais jamais joué à des RPG, ou même des puzzle games, mais c'est vrai que les RPG j'avais jamais joué. J'avais beaucoup vu des jeux comme Final Fantasy, hein. Mais je veux dire, ça m'attirait pas plus que ça, je trouvais ça vraiment trop compliqué. Et c'est vrai que celui-là, je l'avais essayé en démo, ça m'avait vraiment plu, j'avais dû recommencer la démo au moins 5-6 fois. Et je me suis dit, je vais l'acheter, je regrette vraiment pas. Ça sent la fumée, vite, le campement est attaqué. Voilà, on se fait embusquer. Deuxième combat. Vous voyez, à chaque bataille, il y a un chargement. Et c'est vrai que c'est un petit peu long à force. Parce que c'est vrai que quand on se fait embusquer et tout, c'est long et c'est un petit peu chiant. C'est même pénible, quoi. Mais bon, c'est pas non plus un truc qui empêche d'avoir un excellent jeu, quand même. L'ennemi a formé deux attaques. Créez un mur pour vous défendre contre la première. Pour créer un mur, placez côte à côte, horizontalement, trois unités de la même couleur. Ah oui, il me fait tout déplacer, lui, carrément. Bon. Vos propres attaques passeront par-dessus vos murs sans problème. Donc en fait, les murs de la cible ont une particularité, c'est qu'ils se renforcent à chaque tour. Donc il s'agit d'une capacité spéciale, comme je viens de vous le dire. Tous les types de murs ont une capacité spéciale. Le compteur d'unités indique que vous disposez de 12 renforts. Quand une unité quitte le champ de bataille, elle est ajoutée au compteur d'unités. Appelez les renforts. Formez une attaque avec les unités bleues. Oh, ils me font tout déplacer carrément. Hein. Un dégât. Bien, votre mur a bloqué une attaque ennemie. La seconde attaque a détruit une partie de vos unités inactives. Toute unité qui n'est pas en train de charger pour attaquer est appelée unité inactive. Les unités inactives sont instantanément détruites par les attaques ennemies. Mais ces unités inactives réduisent la puissance de l'attaque ennemie. Chaque type d'unité inactive possède en effet un certain nombre de points d'endurance. Donc durant cette vidéo, ça sera plus tutoriel, parce que ils expliquent beaucoup au début, donc je vais beaucoup également vous lire, vous allez comprendre également. Bonne chance pour la suite de ce combat. Et donc de ce fait, c'est vrai que... Ah, je peux pas encore supprimer. Ah si, ça fait longtemps que j'ai pas joué, dis donc. Et donc, c'est sûr que lors des prochaines vidéos, je vais surtout beaucoup vous parler du jeu, de l'histoire, et puis mes impressions surtout sur ce jeu, ce que je vous conseille, si je vous conseille de l'acheter ou non. Et c'est vrai que, c'est plus un truc tutoriel en fait. Donc j'espère quand même que cette première vidéo vous plaira, même si c'est une vidéo un peu tutoriel, explication du début du jeu. Après, vous allez voir, ça va devenir beaucoup plus intéressant. Il faudrait quand même pas que je perde ce combat, ça serait bête. Non, ça passe pas droit là. Je m'en doutais. Flofou, on va appeler du monde. Un mouvement. Bon. De toute façon, normalement, s'il appelle personne au prochain tour, il est mort. Mais il est malin, le coco. Un, deux d'endurance, ça passe pas. Bon, on va tirer, il va le tuer. On va mettre le paquet. On va plus du monde, tiens. Il m'aurait fallu un verre, mais bon, pas très grave. On met ça là. Hop. Donc, sinon, comme vous aurez pu le voir, j'ai mis en ligne ma vidéo pour...
pour pour l'inscription aux Open Lobby, donc n'hésitez pas à aller vous inscrire. Je ferai au fur et à mesure. Enfin, je vais voir comment ça se déroule déjà pour ce premier Open Lobby. C'est pas trop le bordel comme je disais. Et puis, si ça se passe bien, il n'y a vraiment pas de raison que je le refasse pas tous les 15 jours comme je vous l'avais dit. Et donc, voilà. On m'a dit que ça va être compliqué, mais je vais vraiment essayer de faire mon maximum. Et si vraiment je vois que j'arrive pas à gérer, je ferai environ tous les mois, ça sera plus simple. Si vous avez des questions à ce propos, surtout n'hésitez pas à les poser sur ma vidéo. On a enfin réussi à le tuer. C'est vrai que les points d'endurance sont vraiment pas mal, il a pu résister pas mal avec les points d'endurance de ses chiens. Je passe au level supérieur, mes chasseurs. Donc oui, comme tous les RPG, on gagne des expériences au fur et à mesure des combats. C'est vrai que là, le début, c'est pas très très intéressant du fait que ça papote beaucoup, mais après, ça va être beaucoup mieux. Encore un. On en croise beaucoup, hein. Ah, lui, il a toutes... comme vous pouvez le voir, il a plusieurs unités. Je sais plus les noms exacts. Il y en a un qui ressemble à une gargouille. Mais bon, moi. C'est vrai que cette campagne était vraiment sympa avec Cheol. Mais celle que je préfère quand même, c'est celle d'Anwen. J'adore celle d'Anwen. Il est parfois plus rapide de supprimer une unité inactive ou un mur pour libérer un espace. Pour supprimer une unité inactive, appuyez sur rond après l'avoir sélectionné. Supprimez l'unité bleue. Après, supprimez la jaune. Voilà, ça coûte un mouvement. Des attaques ou des murs peuvent aussi être créées en supprimant des unités ou des murs. Appuyez sur rond sur l'unité pour la supprimer. Supprimez l'unité jaune pour créer une chaîne. Voilà, et puis là je gagne un mouvement du fait que j'ai supprimé le personnage qui gênait. Et donc voilà, ils nous font un speech comme quoi j'ai gagné un mouvement quoi. N'oubliez pas tout ce que vous avez appris, à vous de terminer la bataille maintenant. Alors, c'est assez simple. Voilà. C'est vrai que le truc de supprimer les unités, c'est vraiment, mais vraiment pas mal. Ça aide beaucoup, mais c'est vrai qu'il faut pas mal réfléchir et puis faut adapter sa stratégie à l'ennemi en fait. Parce que chaque ennemi ont des, comme vous avez pu le voir, des murs différents, ils ont des unités différentes. Je viens de passer en Wen au niveau 2. Et donc c'est vrai que je vous expliquerai au fur et à mesure qu'on avancera les stratégies que j'utilise selon l'ennemi en fait. J'ai eu l'occasion d'y jouer sur DS il n'y a pas longtemps. Et c'est vrai que par contre sur DS, qu'est-ce que ça fait mal aux yeux. Oh là là, c'est trop petit. C'est vraiment trop petit, mais c'est vrai que c'est là-dessus qu'il a débuté. Et il y en a beaucoup, de Might and Magic sur PC. De toute façon, ça vient du PC, donc malheureusement c'est les seuls Might and Magic qu'on a sur c'est le seul Might and Magic qu'on a le droit sur console HD. Sur Nintendo DS, il me semble, je suis pas sûre. Il y a d'ailleurs Might and Magic 6 qui va sortir. Savagely, the attackers put the camp to the torch, sparing no one. Not even the children. Terrified by his sister's fate, Aiden grabs a nearby weapon and crawls away from the fallen heroes who tried in vain to save them. Ah ah ah, je serais venu tout seul si j'avais su qu'ils allaient se servir d'enfants comme garde du corps. Morts, ils sont tous morts.
père ! Non, ce n'est pas possible. Fiona, tu es blessée ? Venez les enfants, nous devons nous hâter de rejoindre le portail. Je vais nous transférer aux cités d'argent. Mais le campement, nos parents ! Ils sont morts et la puissante relique que nous devions protéger a disparu. Nous devons prévenir les autres de la menace qui pèse sur nous désormais. Courez et vous poursuivre me mettra en appétit. Donc oui, la cinématique m'a coupé la parole. Je disais que... Si on n'a pas une autre... Non, pour l'instant ça va. La cinématique m'a coupé la parole, donc je disais qu'il y a le Might and Magic 6 qui va bientôt sortir sur PC. Donc c'est vrai que je sais pas, certainement que j'essaierai de l'acheter pour voir s'il est bien. Alors traversez le portail maintenant, je vais retenir cette créature. Mère, je vais rester ici avec Delara pour vous faire gagner un peu de temps. Though Delara's brave stand delays the enemy, it proves futile. And as she falls, a magical light escapes from her body and overwhelms Maddie. Ah, qu'est-ce que c'était? Nadia, oh, le portail s'estompe, vite, je vais tenter de gagner un peu de temps. Au lieu de foncer dedans comme des boulets, non, ils attendent quoi. Fiona, Aiden et Nadia fall through the weakening portal. Wounded and terrified, they hope to arrive safely in the Silver Cities. Le portail a disparu. Aidez Lara et Godric. Oh non, j'espère que les autres ont réussi à atteindre les cités d'argent. Je dois avertir mon cousin Faidan. Père, je n'oublierai pas ce qui s'est produit ici cette nuit. The demons finish their bloody work. As Anwen crouches in hiding, containing her rage, waiting with a hunter's patience until the odds turn in her favor. Someone sent the demons to attack the camp. Someone powerful. Someone who knew them. Someone who does not yet have what he wants. Prologue, dispersé sur Ashan, orphelin isolé, leur voyage commence. Je regarde à combien j'en suis. Je pense que je vais vous laisser ici pour cette première partie. J'espère que cette vidéo vous aura plu, surtout n'hésitez pas à me donner votre avis sur cette nouvelle série, ce que vous en avez pensé, et surtout n'hésitez pas à répondre à ma question de savoir si je vous lis les dialogues ou non. Parce que c'est vrai que si je les lis et que ça ne vous plaît pas trop, surtout n'hésitez pas à me le dire. Surtout, donnez-moi votre avis, et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur ce superbe jeu qui, je suis sûre, vous plaira, puis j'espère surtout. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous bisous tout le monde !